Comment Adélard Godbout, Premier ministre du Québec pendant la Deuxième Guerre mondiale, a-t-il pu disparaître de notre mémoire collective? Son petit-neveu, le cinéaste Jacques Godbout, en a tracé le portrait impérissable que voici. Quand c'est le premier lundi d'ouvrage après deux semaines de vacances, je me ferme les yeux et je me rappelle ces images-là dans ma tête. Ça me fait tellement de bien. Si la vie était comme ça, on n'aurait pas besoin d'une carte Visa. Pour la vraie vie, il y a Visa. Ici Pat DeWitt, bluesman adepte du festival Maximum Blues. Cet été, je vous invite à plonger dans une atmosphère musicale au rythme de la Gaspésie. Du 3 au 7 août à Carleton-sur-Mer, rendez-vous au Maximum Blues. Du blues au bord de la mer. Samedi à Belle et Bombe, on fête Noël avec Lise Dion, Lina Boudreau, Elisabeth Blouin-Bratouette, Soraya Benitez, l'ensemble Claude Gervais, la famille Dion, les Gitans de Sarajevo, Paolo Ramos, Nicolas Ciccone, Paul Pichet. Belle et Bombe, dimanche 20h à Télé-Québec. Des scénarios de choix. Un geste, puis je rase. N'approche pas plus. Des acteurs inspirés. Faut appeler la police. Seulement! Seulement! Des réalisateurs allumés. Encore du bon cinéma, cet automne à Télé-Québec. Il y eut, bien sûr, une cérémonie présidée par le Premier ministre du Canada, Louis Saint-Laurent, et celui du Québec, Jean Lesage, en octobre 1960. On évoqua la mémoire de celui qui avait amorcé, 20 ans plus tôt, la première révolution tranquille au Québec. On déposa des fleurs, prononça des discours, puis plus rien. Il n'y eut plus d'autres commémorations publiques, à peine parfois un article ou une lettre dans les journaux rappelait son nom. Le silence retomba sur le cimetière de Frélésburg et son modeste monument. 40 hivers de silence et d'oubli. Adélard Godbout avait été élu Premier ministre à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Était-ce là une période honteuse? La guerre, bien sûr, avait départagé les traites des patriotes. Pourquoi n'en parlait-on jamais? Et qui étaient les patriotes? Ceux qui s'étaient réfugiés dans les bois pour ne pas aller à la guerre, ou ceux qui s'étaient enrôlés pour outre-mer. Adélard Godbout s'était élevé contre la conscription, mais il appuyait les volontaires qui allaient se battre contre Hitler. Traite ou patriote, Adélard Godbout? Le point de départ de ce film, comme celui de toutes les histoires, est dû au hasard. Je ne cherchais rien en particulier, et certainement pas un sujet documentaire. Je venais de terminer la rédaction d'un roman. J'étais ce jour-là libre comme l'air. Et puis je me suis laissé tenter par une brocante. Sans être collectionneur, j'aime bien ces lieux de mémoire.
Monsieur Taquet. Combien vous me faites ça? Et combien ça vous? Ah oui, c'était en arrière ça, oui. C'est intéressant, c'est un ancien premier ministre du Québec, l'année 39. Oh, ça vaut bien 80 dollars, n'est-ce pas? 60? Oh, 65, hein? Ok. C'est bon? 65, quoi. Vous me l'emballez? Oui, ok, d'accord, vous l'emballez, monsieur. J'avais acquis le portrait d'Adélard Godbout sur un coup de tête, par nostalgie peut-être. Je me sentais fébrile, et toute mon enfance me revenait d'un seul coup. Les images de la ferme de Frelesburg, où parfois m'amenait mon père. Les étés dans les champs, la rivière au brochet, la cueillette des pommes. Les courses à cheval avec mes cousins. Né à Saint-Éloi, dans le Bas-Saint-Laurent, en 1892, Godbout n'en était pas moins un homme du XXe siècle. Ses études aux États-Unis l'avaient convaincu de l'importance du savoir, des langues, du commerce et de l'industrie. Il fut le premier représentant de la classe agricole à accéder au poste de Premier ministre. Fervent catholique, finement appuyé par son épouse, il se faisait un devoir de moderniser le Québec en misant d'abord et avant tout sur l'éducation. Dans ma famille, même après sa mort, Adélard Godbout était le sujet de conversation préférée de mon père. Lui n'avait oublié ni l'homme politique, ni l'oncle, ni son professeur d'agronomie à Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Tous deux faisaient partie de la confrérie des scientifiques de la Terre, désireux d'améliorer les productions agricoles et les cheptels. Mon père se sentait proche de son oncle. Invité aux fêtes de famille, d'esprit libéral, il avait été profondément blessé de la défaite de Godbout en 1944 aux mains de Maurice Duplessis. J'avais de 6 à 11 ans, été le petit-neveu d'un grand homme public. Toutes ses réalisations, le droit de vote des femmes, la création d'Hydro-Québec, l'instruction obligatoire, les lois du travail, la Bibliothèque nationale, le Conservatoire d'art dramatique, étaient désormais oubliées ou attribuées à d'autres. Quel étrange destin, celui d'un homme qui avait gagné la guerre avec les Alliés et perdu la bataille du Québec. Les historiens ont un devoir de mémoire. Pourquoi leur arrive-t-il de pratiquer l'oubli? D'abord donc, rencontrer les historiens réunis en congrès et leur poser la question. If I was to say the Second World War, what is the first idea that comes to your mind? How do you, to what do you associate that? Well, Normandy. Normandy. Yeah. Second World War. Okinawa. 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 Amsterdam. Amsterdam. Victory. 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 Fascism. And if I was to ask you who is this man, would you be able to identify him? Oh my God. Not a prime minister. Handsome. Yes. A nice print, but no. Yes, handsome. Definitely. Someone you'd like to know. So vous apportez ça. L'événement lui-même ou l'après-guerre? Non, non, la guerre. La guerre elle-même au pétainisme et au gaullisme. Vous, madame? Le débarquement de Normandie. Le débarquement de Normandie. Et si je vous montrais cet homme et je vous disais qui est-il? Je crois que c'est Armand Lavergne. Non, est-ce que c'est pas de Bernonville? Merci. Je ne sais pas. Un appareil de télé, ça va aller ici. Et si je vous montre la photo de cet homme, est-ce que vous êtes en mesure de l'identifier? Ah.
Malheureusement, non. Malheureusement, non. J'ai honte de le dire. Malheureusement, non. Bon, besoin d'avoir. Je remercie beaucoup. J'aurais voulu savoir. Can you tell me who this man is? I can't. Can I you? Can't. No. No. We should. Who knows? Okay. C'est interesting. Est-ce qu'il y a des Français aux Québécois? Québécois. Québécois? C'est qui? Et il y a quelque chose à faire avec la Seconde Guerre mondiale? Oui. Il est, c'était le premier ministre du Québec pendant la Deuxième Guerre mondiale. The Prime Minister of Quebec during the Second World War. Well, sorry. Who's that, Gouin or Gadou? Gadou or Gouin? Moi, je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement intéressant là, du point de vue de l'historien. Et ça se rattache au phénomène général qu'on trouve dans toutes les collectivités, où il y a comme des nœuds qui se font dans le fil de la mémoire, si vous voulez. Et en général, ça correspond à des expériences traumatisantes qui créent une sorte de malaise dans ces cultures, et dont ensuite la mémoire essaie de se distancer d'une façon ou d'une autre, en général en les enveloppant de silence, etc. Mais il y a très clairement un malaise qui est au cœur de ça. Et les historiens, par exemple, travaillent très peu sur ces périodes ou sur ces événements, en parlent à mots couverts. Bon. Alors, au Québec, moi, je pense que non seulement la Deuxième Guerre mondiale, mais la Première Guerre mondiale aussi, représente une sorte de phénomène comme celui-là. Qui ont engendré ce qu'on pourrait presque appeler une mémoire honteuse. C'est-à-dire que les Canadiens français ont eu un petit peu l'impression qu'ils s'étaient désistés, qu'ils n'avaient pas rempli leurs devoirs par rapport à la France, par exemple, qu'il fallait sauver, mais aussi par rapport à des grandes valeurs qui avaient suscité une mobilisation internationale, hein, contre l'Allemagne, contre l'Holocauste, etc. Et ça a laissé mauvaise bouche, je dirais, les Canadiens français, la mémoire canadienne française a l'impression là, qu'elle n'a pas tout à fait fait, elle n'a pas vraiment fait ses devoirs. Si vous voulez. Voilà. Merci, Gabriel Loin, la crise de la conscription, le bloc, on va le rendre, c'est parfait. Parfait. Je vous donne un petit sac. S'il vous plaît. Je disposais d'une première biographie de Godbout, écrite par Jean-Guy Genet, qui avait interpellé la famille libérale. L'hiver précédent, l'auteur avait même été invité à un dîner de Cité Libre et réussi à provoquer des questions toujours sans réponse. Bonsoir, Monsieur Genet. J'aimerais savoir votre opinion sur, à la lumière de ce que vous avez dit plus tôt, sur le fait que Monsieur Godbout avait des très bonnes relations avec Monsieur King. Est-ce que vous croyez justement que ce fait-là peut expliquer une raison pour laquelle les nationalistes avaient qualifié et qualifient encore aujourd'hui M. Godbout de traître? Comment expliquer que ce monsieur-là ait été effacé de l'histoire? Les nationalistes ont réussi à l'enterrer, à le faire oublier, mais peut-être aussi parce que nous, les libéraux, à qui nous appartient cet héritage, nous n'avons pas fait nos devoirs pour le faire connaître. Les idées et les programmes avancés d'Adélard Godbout. Dans le temps, paraît-il, ils étaient révolutionnaires. Est-ce qu'on peut tracer chez Jean le Sage, est-ce que lui s'est inspiré un peu de ces mesures, de ces changements apportés par Adélard Godbout? Comme bien d'autres, j'ai été estomaqué de voir le courage politique d'un homme qui a été persécuté par le clergé. Comment ça se fait qu'un personnage aussi important demeure encore dans l'ombre? En fait, la clé de l'oubli de ce premier ministre dans notre histoire, on la trouve dans la guerre. Celle de 14-18 d'abord, quand on voulut forcer les Canadiens français à défendre l'Empire. La mémoire de la conscription de 1917 fut utilisée pour oblitérer le sens de la guerre de 1939. Pourquoi, par exemple, ignore-t-on au Québec les vétérans le jour du souvenir?
Pourquoi est-ce que tout un peuple dont la devise est « je me souviens » regarde avec indifférence ceux qui sont allés combattre pour le pays? Moi-même, avant d'assister à leur cérémonie, je n'avais jamais été ému par leur sacrifice. Je n'avais jamais porté le coquelicot, que j'identifiais à une propagande en faveur du Canada. J'étais obnubilé par le discours nationaliste. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. Le premier ministre, Mackenzie King, met en vigueur la loi des mesures de guerre et décrète la censure. Deux jours plus tard, la Grande-Bretagne déclare la guerre à l'Allemagne. Le 10 septembre, le Canada, à son tour, entre en guerre. The Nazi doctrine of force is the very antithesis of what one finds in the Christian gospel. If it prevails, there will be, as I see it, an end to our Christian civilization. It will prevail unless men are prepared to sacrifice their lives in opposing it. That is why the present war is for the Allied forces a crusade. Mackenzie King sait ce dont il parle, car il est allé en Europe où il a visité l'Allemagne. Le chef national-socialiste, Adolf Hitler, l'a fortement impressionné. Ce n'est pas étonnant. King n'est-il pas lui-même le chef d'un pays blanc, chrétien, qui refuse l'immigration des gens de couleur et surtout d'accueillir les Juifs allemands fuyant le nazisme? Moi, je suis allé en Europe en 1937. Je suis allé à Berlin. C'était au lendemain des Jeux olympiques qui avaient eu lieu à Berlin. On sentait à ce moment-là en Europe, en Allemagne d'abord, mais aussi en France, où on était très pessimiste, on sentait venir la guerre. Puis les gens semblaient être résignés à avoir une deuxième guerre mondiale. On pourrait dire peut-être qu'André Laurendeau avait le même sentiment, parce que lui aussi est allé en Europe vers les mêmes années. Oui, il est allé quand on s'est rencontrés à Paris en 1937. Et vous aviez tous les deux donc une bonne conscience de ce qui se passait oui, à ce moment-là. Oui. L'appel de la croisade est d'abord entendu par les Canadiens d'origine britannique, mais personne ne sait comment le Canada vivra la guerre. Or, très tôt, de nombreux Canadiens français se portent volontaires à leur tour. Pourquoi affirme-t-on aujourd'hui encore que le Québec faisait bande à part? Le peuple canadien déclare la guerre le 10 septembre 1939. Des 390 000 hommes dont se compose l'armée active du Canada, un régiment canadien français est le premier à compléter son effectif. De chaque province, de chaque ville et village, les civils accourent. Ils savent qu'avec une population de 12 millions d'habitants seulement, dans un pays plus vaste que les États-Unis, chaque citoyen a une grande responsabilité. Je regardais le soldat derrière vous. Je me disais, bon, dans quelle armée est-ce qu'il est rentré, ce garçon? Dans quelle armée est-ce qu'il est allé s'inscrire? Au début de la guerre, il y avait quoi? 10 000 personnes en uniforme? Un peu moins de 10 000, et dans les trois armées, armée de terre, la marine, l'aviation. Alors, et quelques-uns au bord de la retraite? Oui, et quelques-uns recrues, ouais. Et quelques-uns malades, et enfin, ça faisait pas donc, finalement, ça. C'était pas une armée, c'était presque un bataillon, un gros opuscule. Un gros bataillon, ouais. Plus ou moins. Mais c'était une armée à bien des égards britannique, on le voit par... Est-ce qu'il y avait des officiers canadiens-français? Oui, il y avait déjà des officiers canadiens-français. Il y en avait quelques-uns qui étaient passés au collège militaire de Kingston. Hey! Bougez plus! Immobile! What? Imaginons qu'on aurait eu immédiatement des volontaires. Est-ce qu'ils auraient pu recevoir dans cette armée britannique, dans le fond, les Canadiens français qui ne parlaient pas l'anglais? Non. Est-ce qu'ils auraient pu les entraîner? Non. Si on avait vraiment fait une mobilisation, une conscription, l'armée canadienne n'était pas prête à accueillir des centaines de milliers de jeunes francophones unilingues, c'est arrivé de Gaspésie, des cantons de l'Est ou d'ailleurs. Ça aurait été le bordel intégral. Ben, il aurait fallu les former comme fantassins, c'est à la rigueur, mais après ça, quand on rentre dans tous les métiers techniques, c'est quand même des manuels, de l'exercice. Il faut qu'il y ait des sergents déjà qui soient bien formés, qui puissent le... Non, on n'aurait pas été prêts. Non seulement le Canada n'était pas prêt, mais la majorité des Canadiens ignoraient ce qui se passait vraiment en Europe. Il y avait pourtant une différence entre la Première et la Seconde Guerre mondiale. En 14, le gouvernement du Canada n'a pas déclaré la guerre. Quand l'Angleterre est en guerre, le Canada est en guerre. Là, c'était nouveau. On en a fait un grand état
que cette fois-ci, le Canada lui-même déclarait la guerre. Mais le souvenir de la conscription de 1917 perdurait. On avait... Ah oui, ben ça a été le sujet des campagnes électorales pendant 20 ans. Avant la guerre? Avant la guerre. De 1900... Ben, la conscription remonte à 1917. De 1917 jusqu'à 1939, le sujet principal des campagnes électorales pour les libéraux dans la province de Québec, c'était la conscription. Quand Gérard Filion parle du thème des campagnes électorales de 17 à 39, c'est ça, on retrouve ça tout le temps. Et ce qu'il y a d'assez invraisemblable, rétrospectivement, c'est que plus on approche de la guerre, plus on promet de façon encore plus solennelle. Alors qu'on réalisait bien que c'était inévitable, la guerre. Là, il y a quelque chose qui est un petit peu surréaliste. Comment se fait-il qu'on soit engagé dans ce fléau de promesses? Alors, les Québécois ont été endoctrinés, malgré eux, dans ce discours anti-conscription. On a fait des campagnes là-dessus. La guerre déclarée, Maurice Duplessis, premier ministre du Québec et fin Renard, décrète des élections qu'il perd aux mains des libéraux de Godbout. On comprendra plus tard que Duplessis avait joué à qui perd gagne. Il avait beaucoup dépensé, à propos et mal à propos dans certains cas, et il voulait se mettre en selle pour être capable de pouvoir passer à travers la guerre sans trop de difficultés. Et comme il faisait porter la campagne sur l'effort de guerre du Canada, sur la participation du Canada à la guerre, qu'il a soulevé la question de la conscription, les fédéraux sont rentrés en force dans la campagne électorale, Ernest Lapointe en tête, et puis ils l'ont fait battre. Alors Duplessis, là, du point de vue de l'opinion publique de l'époque, là, Duplessis était un homme fini. Duplessis a louvoyé et a surfé, comme on dirait aujourd'hui, sur la vague, qui était une vague de fond. Et qui était une vague de fond, pas seulement québécoise ou canadienne-française, qui était une vague de fond nord-américaine. Hein. L'isolationnisme des Québécois et des Canadiens-Français en 1939, c'était la même chose que l'isolationnisme des États-Unis. Ça, on l'oublie. Isolationniste, le Québec de mon enfance, ou isolé par la langue, la foi, la pauvreté. En 1939, quand j'entre à l'école, le Québec est un désert intellectuel, pays d'esprit rural, même dans les villes. On sait s'amuser, on ne veut pas s'instruire. La moitié de la population a moins de 25 ans. 60% des enfants ne se rendent pas à l'école secondaire. C'est ce qui décidera le premier ministre Godbout à décréter l'instruction obligatoire jusqu'à 16 ans, malgré l'opposition du clergé. Le Québec est blanc et catholique. Les Canadiens français vivent entre eux, sous la houlette de l'Église pour qui Mussolini, Salazar ou Franco sont des modèles. Les nationalistes ont beau jeu de dire que la guerre en Europe est une guerre anglaise. Mais n'est-ce pas même ce dont rêvent les nazis? Mais, disent les nazis, pour conquérir cet espace vital, il faut d'abord soumettre ce peuple. Si Hitler veut conquérir l'Est du Canada, il lui faut subjuguer les Canadiens français. Issus de quelques milliers de colons intrépides, les Canadiens français sont aujourd'hui au nombre de 5 millions, dont 3 millions au Canada et 2 millions aux États-Unis, avec Québec, la capitale, et la plus grande ville française du monde libre, Montréal. Les villes ont porté les libéraux au pouvoir, malgré la vague nationaliste, et la classe ouvrière que l'on croyait ignare et bon enfant choisit alors d'affronter la catastrophe mondiale, de travailler en usine pour battre l'Allemagne, d'engager la guerre, comme le propose le premier ministre Adélard Godbout. La province de Québec est maintenant prête à collaborer avec toute la loyauté dont elle vient de faire preuve au maintien de l'ordre que doit faire triompher notre Confédération canadienne aux côtés des autres pays du monde qui défendent actuellement le christianisme et la civilisation. Et cette guerre qui se déclare au moment où Godbout prend le pouvoir, oui, est une guerre qui lui paraît, en tout cas, juste jusqu'à un certain point. À vous aussi, à ce moment-là? Très fort, comme Godbout. Moi, j'étais tout à fait du point de vue de Godbout. Et c'était la guerre des démocraties pour moi. La crise économique des années 30 avait gravement appauvri les Canadiens.
Adélard Godbout autorise donc le gouvernement fédéral à instaurer un régime d'assurance chômage et d'allocation familiale que le Québec ne peut assumer seul. Les autonomistes le lui reprocheront longtemps. Il entreprend aussi...